Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie, 13-14h comme tous les jeudis, les sujets économiques qui intéressent le grand public, les opérateurs, les institutions. L'Algérie sera une puissance économique en 2035, déclaration du président du Sénat Salah Goudil, une déclaration qui se base sur les actions entreprises progressivement par le gouvernement et les réformes structurelles en cours. Les réformes structurelles nécessitent que chaque institution s'occupe convenablement des missions qui sont les siennes, notamment en matière de stratégie économique, d'application des 54 engagements du président et du plan d'action du gouvernement sur la base de la consultation, la concertation avec les acteurs économiques et les associations patronales. Exportation et intégration régionale, l'Algérie a tout intérêt à occuper les marchés africains à défaut de se frayer une bonne place sur les marchés des blocs économiques et commerciaux régionaux déjà constitués, européens, asiatiques, américains. L'Afrique, avec ses chefs d'État, ont créé un espace commun commercial, la SLECAF, l'accord de libre-échange interafricain qui est entré en vigueur officiellement en 2021 et conformément aux engagements pris par les États ayant donc ratifié ce texte signé par 54 pays africains et ratifié jusqu'à présent par 34 pays, il prévoit la réduction progressive des tarifs douaniers. La semaine passée a eu lieu à Alger la cérémonie de signature par le gouvernement algérien et la Banque africaine d'import-export de la convention portant organisation à Alger de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF prévue en septembre 2025. IATF, SLECAF, deux mécanismes et outils d'échange entre pays africains. Voilà donc quelques indicateurs chiffrés que nos invités vont commenter et expliquer. Au studio, nous recevons avec grand plaisir Monsieur Mahfoud Kaoubi. Nous recevons également Monsieur Ali Bey Nasri, consultant. Bien sûr, Monsieur Kaoubi, économiste. Également, nous aurons au téléphone Monsieur Mohamed Achir, économiste. Et également, Tarek Belmarka, président de l'ANEXA, l'Association nationale des exportateurs algériens. 60 minutes économie, tous les jeudis de 13h à 14h. Merci d'être à l'écoute de 60 minutes économie avec nos invités, M. Mahfoud Kaoubi, M. Ali Bey Nasri, M. Tarek Belmarka, également M. Mohamed Achir, autour de l'actualité qui a marqué cette semaine au CIC, au Centre international des conférences, Abdelatif Rahal, et qui a abrité une grande rencontre qui a marqué, enregistré la signature de la convention des échanges interafricains qui aura lieu, la 4e édition, en Algérie, en septembre 2025. Que représente cette convention et quel est le lien que l'on peut faire de cette convention, d'abord son contenu, le lien qu'on a à faire avec la SLECAF? Je pose la question à M. Mahfoud Kaoubi, très rapidement, succinctement, pour pouvoir passer la parole à nos autres invités. Une convention autour de l'échange interafricain, 4e édition, donc c'est le grand marché interafricain qui va venir en Algérie présenter les matières premières pour les Africains, ou les produits et les services, également qui vont rencontrer les opérateurs et le produit national. Monsieur Mahfoud Kaoubi, et quel est le lien à faire entre cette convention et la mise en pratique en application de la SLECAF? Donc un espace et une rencontre qui permettra aux Africains de se rapprocher, de se connaître, d'envisager éventuellement aussi d'investir ensemble. Et donc c'est un instrument qui de promotion et pour la réalisation de cet espace commercial africain qui est la SLECAF. Monsieur Ali Bey Nasri, alors signature de la convention avec une banque, donc c'est l'Algérie qui la signe de manière bilatérale. Comment cela se déroule, cette convention? Elle associe qui et dans quel but? D'abord, c'est une reconnaissance donc du poids de l'Algérie au niveau africain, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu donc trois salons. Donc le premier, ça a été l'Égypte en 2018.
En 2021, donc ça a été aussi l'Égypte suite au désistement de la Côte d'Ivoire. Et le troisième pays, donc en 2023, c'était donc la Côte d'Ivoire, plutôt l'Afrique du Sud. Donc nous venons juste, donc c'est de poids lourd. Et ça reflète un peu le poids de l'Algérie au niveau de la BAD. La Banque d'Afrique de développement, l'Algérie est troisième en termes de participation financière. Et la dernière augmentation date du 14 février, donc suite donc, à un décret du président de la République. 5 milliards de dollars, quelle était la participation algérienne? La participation algérienne est de l'ordre de 6%. Mm-hmm. 6% sur un montant actuellement global, et ça a été donc... ça a été augmenté de 115 à 203 milliards de dollars. Donc nous sommes un poids lourd, donc si je n'avais pas reconnaissance, donc au niveau, nous sommes donc sur 81 pays, donc au niveau de la BAD, nous sommes sixième. Il faut savoir que les 81 pays, parce qu'il n'y a pas uniquement les pays africains, il y a aussi donc des pays européens en tête, les États-Unis et tout. D'accord. Donc ça vient consacrer un peu donc le poids de l'Algérie au niveau africain, parce que aussi au niveau du PIB. Nous avons l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie qui à peu près, c'est 40% du PIB africain. Donc c'est une reconnaissance envers l'Algérie donc de son rôle africain, de son poids africain. Et surtout, de manœuvre diplomatique aussi. Voilà, hein. Oui, mais en tout cas, c'est une reconnaissance aussi sur le plan économique. Ça c'est très important et je considère que quel est l'objectif? Justement de ces... On y arrive. On donne quand même la parole sur cette question précise à M. Tarek Boulmarka, président de la NECSA, l'Association nationale des exportateurs algériens, M. Mohamed Achir. Alors, que représente cette convention et c'est le départ de quoi exactement, M. Tarek Boulmarka, s'il vous plaît, en tant que représentant des exportateurs algériens? Bonjour, d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Cette convention, elle va servir à ouvrir les portes vers nos pays voisins, vu que les dernières manifestations qui ont été en Égypte, avec les différents opérateurs, ce qui fait que des opérateurs africains ou égyptiens vont prendre contact avec des opérateurs algériens. Oui. Il va y avoir des échanges, soit en produits finis ou bien en matières premières, tant que nous sommes leaders dans pas mal de produits. Et ces échanges vont aussi booster nos exportations et nos relations bilatérales entre différents pays. Est-ce que vous, en tant qu'association représentant les exportateurs, est-ce que tous les opérateurs exportateurs sont affiliés à votre association, oui ou non, ou devraient-ils justement faire partie de votre association? Si vous êtes actif et comment vous êtes actif? C'est-à-dire que la majorité, disons plus de 80% sont adhérents à notre association annexale. Donc, vu qu'il y a toute une préparation qui a été faite durant ces dernières années dans tout le domaine actif, donc c'est pour cela que l'activité essentielle est de promouvoir les exportations. Oui, quels sont actuellement les produits exportés vers l'Afrique, à votre avis, en tout cas de la corporation que vous représentez? Bon, les produits qui sont exportés au sein de notre par nos adhérents, il y a le clinker, il y a le parapharm, il y a le produit pharmaceutique, agroalimentaire, vous avez la céramique. Hein. Vers l'Afrique, on est bien d'accord. Oui, vers l'Afrique, bien sûr. De toutes les façons, il y a un showroom, le showroom qui contient 54 exposants ou 50 exposants avec différents produits qui est à longueur d'année. Oui. Donc, une forte demande sur le produit, sur le clinker, sur la céramique. Il y a des produits de la peinture. Hein? Oui, oui. Il y a une demande. On estime que les produits algériens sont sur ces marchés africains, pas tous, quelques marchés. Est-ce qu'ils concurrencent les produits qui viennent d'ailleurs? Oui, la majorité des produits concurrencent celles qui viennent d'ailleurs. Parce que, exceptionnellement, les produits agroalimentaires qui sont vraiment bien taxés,
et les autres produits sont entre 15, 20, 30% maximum. Donc, on a une plage de choix pour le produit national. Monsieur Mohamed Achir, est-ce que cette convention, la convention dit globalement que l'Algérie abrite le marché interafricain, c'est ce qu'elle dit. Mais quel signe elle donne, quel est le signal qu'elle donne au marché eux-mêmes qui sont censés ouvrir la porte aux produits locaux? Quel est le signal à travers la signature de cette convention et le fait que l'Algérie abrite ce marché? Quelle différence elle va donner et valeur ajoutée le marché algérien par rapport aux autres manifestations du même ordre qui ont eu lieu en Égypte et en Côte d'Ivoire? Bonjour tout le monde. Je pense que l'Algérie abrite cette foire commerciale interafricaine parce que l'Algérie, est parmi les pays qui ont signé ou bien qui ont adhéré à l'initiative de commerce guidé. Il faut rappeler qu'en octobre 2022, il y a eu une réunion de la ZLICAF au niveau du Ghana, à Accra, pour lancer l'initiative du commerce guidé. Et cette initiative, elle vise justement à tester le cadre juridique, institutionnel et les premières initiatives de démantèlement tarifaire. Et cela permettrait justement de lancer effectivement la ZLICAF sur le terrain. Donc actuellement, il y a 8 pays qui ont, c'est-à-dire, adhéré à cette initiative, donc l'Algérie, bien entendu, la Tunisie, l'Égypte, le Kenya, le Ghana aussi, ainsi que d'autres, donc 8 pays. Donc c'est une suite logique, en fait, de cette adhésion. L'Algérie a adhéré à la fin 2023, officiellement, à cette initiative. Donc cela veut dire que l'Algérie, en quelque sorte, ainsi que d'autres pays, comme l'Égypte, la Tunisie, le Kenya, le Ghana, représentent la locomotive de libre-échange africain, ou bien de libéralisation, ou bien carrément d'application de la ZLICAF. Donc cela veut dire que l'organisation de l'AETF se constitue comme d'abord un espace de rencontre, d'échange, de B2B, de B2G, Business to Government. Donc c'est un mécanisme accélérateur qui rentre dans la politique générale et les objectifs court, moyen et long terme de la ZLICAF. Une autre question, c'est de dire quels avantages à l'Algérie quels sont les marchés de croissance africains où il y a une place pour les produits algériens? Quels sont les marchés qui connaissent une vraie croissance? Il y a de la consommation et il y a un pouvoir d'achat qui permet à l'Algérie de placer des produits à côté des autres produits importés de ces mêmes marchés d'autres fournisseurs internationaux. Monsieur Ali Bainassari. Il faut savoir qu'on exporte très peu vers l'Afrique. 650 millions, le chiffre avancé dernièrement. L'Algérie vers tout le marché africain. 80%, donc c'est le gaz et le pétrole. Hein, donc il ne faut pas... Nous sommes donc en phase offensive, en quelque sorte, au niveau donc... On n'est pas venu un peu tardivement? Non, quel que soit X, il y a des raisons pour cela. Si l'Algérie n'a pas été un pays exportateur, c'est d'abord dû à des entreprises qui étaient tournées sur un marché dynamique qui était l'Algérie, ne cherchaient pas à exporter, ça tout simplement. Maintenant, ça s'est inversé. Le président de la République a montré donc le cap au mois de juin donc 2020 au niveau donc du CIC, en annonçant un chiffre à l'exportation de 5 milliards de dollars pour 2021, en mettant en place donc les deux showrooms qui ont été cités, donc Nouakchott et Dakar, qui sont actuellement pratiquement en phase de croisière. Prochainement, donc, il a été donc avancé toujours par le président de la République, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mm-hmm. Donc, nous sommes, pour moi, les autorités sont en train de construire le cadre attractif. Maintenant, le potentiel, il ne faut pas se leurrer aussi. L'Afrique, c'est un pays à 97% informel. Il n'y a pas de chaîne de distribution. Il y a deux catégories de produits. Il y a des produits pour les marchés publics. Oui.
Il faut aborder aussi les services parce que nous avons un potentiel extrêmement important dans ce cadre-là et nous sommes en train de perdre des marchés pour plusieurs raisons. Mais toujours est-il que vous avez les produits, ce qu'on appelle les produits essentiels. Premier fournisseur, c'est la Chine. Oui. OK. Donc, la concurrence est rude sur certains marchés. La concurrence est rude et aussi notre voisin de l'Ouest. Mais en tout état de cause, il faut partir du principe quel est notre potentiel. Le potentiel existe. Là, l'Afrique actuellement est en phase de construction. Toute l'infrastructure, elle est à construire. Donc, un, ils ont besoin d'entreprises qui considèrent spécialisées dans les ouvrages d'art, dans les infrastructures. Donc l'investissement public, en fait. Vous avez tout le BTPH qui est éligible à l'exportation. Parce que, si on a cité le cas... BTPH, c'est le produit, c'est les matériaux de construction. Mais absolument. Mm-hmm. Dans toutes ces généralités, je parle du ciment, je parle du plat, je parle des produits, donc l'appareillage électrique, les câbles électriques. Donc, tout le BTPH est éligible. Maintenant, le secteur pharmaceutique, nous avons une taille de 100 entreprises et nous exportons 5 millions de dollars. C'est vraiment epsilon quand on voit, si ça concerne surtout les dispositifs médicaux, mais un grand marché. Les contraintes sont connues, elles relèvent de la réglementation d'échange parce qu'on ne permet pas donc de donner de l'argent pour faire des enregistrements, des AMM, pour faire, quand vous avez des retraits de l'eau, si vous êtes payé pour rembourser. Donc, il y a tout ça, je pense que ça va être pris en charge. Donc dans le dispositif attractif, nous avons donc les banques, bien sûr, il faut les citer, mais aussi, il y a le Conseil national supérieur. Oui, des exportations. Moi, j'aurais souhaité, tel que l'a dit le président de la République, au Conseil de l'exportation. On a eu un haut conseil consultatif. J'aurais souhaité que ça soit... Que ça soit une... Pourquoi? Qu'il ait une autre vocation. Non, qu'il soit, c'est-à-dire de décision, décisionnelle, parce que c'est présidé par le Premier ministre. Vous avez 5 ou 6 ministres concernés par les fonctions transversales, et vous avez les opérateurs. On prend des décisions directement et on avance. Donc, le potentiel, pardon. Oui. Le potentiel, il est là, il existe. L'industrie agroalimentaire, il y a. Maintenant, quelle est l'angle d'attaque? Quel est le business model? Oui. Comment pénétrer? J'avais fait la proposition. Oui. De laisser les entreprises développer leur réseau commercial, ça n'a pas abouti. Donc finalement, M. Mahfoud Kaoubi, à quelles conditions, vraiment, à quelles conditions? D'abord, le choix il doit se porter sur quel marché précis, quel pays? Est-ce que ce sont les pays riverains, avec toutes leurs problématiques politiques ou sécuritaires? Est-ce que nous avons les possibilités d'aller au-delà des pays frontaliers, c'est-à-dire, et est-ce que les grands opérateurs exportateurs de l'Europe, de l'Asie, n'ont pas déjà pris toutes les parts de marché pour pouvoir se frayer donc une place sur ces marchés du produit national, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Oui, aller à la conquête de marché nécessite de la maîtrise et de la capacité. À côté des logiques par le haut, qui concernent les aspects support et soutien, dont parlait Monsieur Ali Bey Nasri, qui sont très très importants, donc pour permettre cette compétitivité au niveau des marchés, parce que la logistique, le transport, le support donc, financier aussi. La sécurité des transactions. Tout à fait. Donc tout cela est important. Tout cela est important. Sinon, personne ne va commercer s'il n'a pas les moyens qui le sécurisent et qui lui permettent d'être compétitif par rapport à d'autres pays. Mais aussi, un élément important, ce qui est les logiques de formation par le bas, parce que quand on exporte, il faut être leader, il faut être balèze, il faut avoir la capacité, déjà sur son marché, de maîtriser sa production, aussi bien en matière de qualité qu'en matière de coût. Parce qu'on exporte quoi? On exporte un bien ou un service, et on se mesure aux autres. Donc on doit être au niveau de nos concurrents. Et vous parlez à juste titre d'ailleurs que le marché n'est pas vierge. Il a déjà été occupé. C'est Ali Bey Nasri, il parlait des Chinois, donc il n'y a pas que, il y a les Turcs, il y a les Asiatiques, les Européens, etc. Oui. Et les logiques sont impitoyables. Donc il y a un potentiel en matière de croissance sur les 2500 milliards de produits intérieurs bruts qui sont appelés à connaître des taux de croissance de plus de 12% en moyenne, contrairement à ce qui
ce qui est prévu dans d'autres zones. Donc, et là, ça attire et ça éveille l'appétit des grands investisseurs. Ils vont mettre le paquet. Ils ont de la maîtrise en matière de logistique. Les Chinois, par exemple, de logique, d'adaptation aux logiques. Donc, le marché parallèle, les logiques. Oui, le fonctionnement du marché, des institutions, la régulation, le contrôle. Tout à fait. Donc, on a besoin de leaders qui, bien qu'on peut donner tout le soutien, mais si on n'a pas d'entreprises qui s'inscrivent dans des logiques de se positionner sur les marchés extérieurs, pas uniquement l'Afrique, hein, parce qu'il ne faut pas segmenter de la chose. Mais là, c'est des logiques de positionnement qu'il faut étudier au par cas, parce qu'il n'y a pas de recette standard par pays, etc. Ça, c'est des études minutieuses, cas par cas, produit par produit, entreprise par produit, par entreprise, qui donneront les réponses. Mais la démarche, c'est d'aller en conquérant et d'avoir la capacité de s'exporter. Monsieur Mohamed Achir, ensuite Monsieur Tarek Boulmarka, est-ce que l'opérateur algérien, donc on a vu le montant est très faible de l'exportation algérienne vers les marchés africains, d'abord parce que ce sont pas des marchés vierges à 100%, ils ont donc des produits installés depuis très longtemps, est-ce qu'il y a des marchés cibles? Est-ce que l'accès à ces marchés est tributaire des relations diplomatiques et politiques, ou alors il faut laisser l'opérateur occuper le marché en lui facilitant toutes les procédures d'installation de son produit, de sa représentation? Je pense que... Oui. Monsieur Achir, ensuite, oui. Monsieur Boulmarka. Je pense qu'il faut agir en parallèle, c'est-à-dire il y a un travail qui doit se faire au niveau des institutions africaines, que ce soit l'Union africaine par rapport aux questions de stabilité politique, institutionnelle, par rapport aussi aux projets de développement infrastructurel, surtout pour la logistique du commerce et pour les infrastructures commerciales. Il y a les programmes tels que le NEPAD, qui s'inscrit déjà depuis début des années 2000 dans ce sens-là, comment oui. améliorer les grandes infrastructures oui. qui vont permettre oui. un lien facile entre les pays africains, parce qu'on ne peut pas imaginer un commerce international sans les infrastructures et sans la logistique, d'accord? Ça d'une part, il y a aussi un travail qui est juridique, administratif et d'harmonisation qui doit se faire au niveau de la ZLICAF. Parce que la ZLICAF doit se traduire concrètement sur le terrain. Quand on parle de démantèlement tarifaire, quand on parle d'origine de produits, quand on parle aussi d'harmonisation des législations nationales, donc il faut qu'il y ait de la volonté concrète de la part de tous les pays ayant ratifié la ZLICAF pour accélérer cette harmonisation et permettre... Est-ce qu'elle tarde à venir? Est-ce qu'elle tarde justement la levée de ces taxes douanières qui sont ratifiées, oui ou non? Oui, justement, je l'ai dit au début que l'Algérie fait partie des 8 pays qui ont signé l'initiative du commerce guidé, c'est-à-dire les premiers pays qui envisagent d'appliquer concrètement, qui ont déjà commencé, il y a déjà même des pays qui ont concrétisé, la Tunisie l'a concrétisé, donc par rapport à ce libre-échange, enfin, par rapport à la levée des taxes douanières et de toutes les formes de barrières, tarifaire ou non tarifaire dans la ZLICAF. Mais il y a du travail à faire. En tout cas, la ZLICAF, dans ses protocoles, a prévu plusieurs phases et plusieurs types de pays. Donc, des pays en développement, des pays moins avancés, ils auront jusqu'à 5 ans, 10 ans pour faire le démantèlement. Mais des pays comme l'Algérie, donc, ils ont une période de 5 ans. En tout cas, il y a un fractionnement des produits. 90% des produits doivent être libérés d'ici 5 ans. Après, il y a 3% des produits que chaque pays doit choisir et refuser toute levée de barrières douanières ou bien tarifaires ou non tarifaires. Mm-hmm. Donc, cela, je ne vais pas rentrer dans des détails. Oui. En tout cas, il y a un calendrier. D'accord? Oui. Mais concrètement, sur le terrain maintenant, et sur tous les pays, les premiers pays tels que l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique oui. du Sud, donc oui. ils doivent concrètement lever ces entraves et permettre ce commerce.
interafricaine. Oui. Mais de toute façon, si on parle un peu oui. maintenant pour le, vous voulez parler des filières, c'est ça? Pas nécessairement des filières. La question était de dire que les marchés ne sont pas vierges aujourd'hui. Est-ce qu'on va commercer avec des pays choisis qui sont les plus proches géographiquement, avec lesquels il y a des relations amicales, de fraternité, des relations diplomatiques et politiques bonnes et saines qui vont nous permettre d'accéder à ces marchés? Voilà, quelles sont les conditions qui font que le produit va vraiment occuper des marchés déjà pris? Bien sûr, surtout le commerce frontalier, ça c'est important. Il faut savoir une chose, que le commerce... Rapidement, monsieur. Le commerce se base aussi sur les liens. Ouais. Sur ouais. des liens historiques, sur des liens politiques. Oui. Par exemple, l'initiative de l'Algérie de zone franche, ça c'est très intéressant avec les pays voisins, donc la Libye, la Tunisie... la Mauritanie, le Niger, le Mali, parce que ils peuvent booster, les zones franches peuvent booster le niveau de commerce, parce qu'actuellement ce commerce-là, il se fait d'une manière informelle. Donc lorsqu'on met des zones franches comme ça, et surtout que la ZLICAF justement dans ses articles, il a intégré les zones franches comme des zones de libre-échange. Hein. Oui. Donc c'est intéressant, c'est une avancée en termes réglementaires. Merci. Donc ça c'est d'une part, et d'autre part aussi la nécessité de construire des joint ventures africaines, c'est-à-dire il faut créer des chaînes de valeur régionales africaines dans lesquelles il faut que le partage de la chaîne de valeur soit fait par des entreprises africaines. Et c'est ça qui va booster le commerce intra-africain. Monsieur Tarek Boulmerka, vous êtes donc un homme du terrain. Vous procédez à des opérations d'exportation, vous faites du marketing, vous faites de la recherche des clients. Vous exportez vers l'Afrique, vous? Ou en tout cas, les opérateurs dans votre association? Bon, moi j'ai fait deux opérations. Une qui a réussi parce que il y avait les tarifs, les droits de douane, bon, les prix à l'international de notre matière première n'étaient pas vraiment en hausse. Bon, une deuxième relance, le tarif douanier était un peu plus, il est de 66% pour les produits agroalimentaires. Dans ce but-là, c'est que le jour où l'Algérie va ratifier dans la zone arabe libre, la ZLECAF, Zone africaine de libre-échange, hein, pas l'AXA. Voilà. Oui, c'est ça. Quand elle sera ratifiée, ce qui fait que nous aurons un taux qui est réduit. Donc, on pourrait accéder à ces marchés plus facilement. Donc, vous estimez que vos exportations connaissent quel type de contraintes, vous, vers l'Afrique, jusqu'à ce jour? Vous notez quoi comme difficulté actuellement? Difficulté, c'est que la position tarifaire, du point de vue douanier vers l'Afrique, un taux de douane, de droits de douane qui est très élevé. Comparé aux pays que vers l'Europe, ils sont plus élevés. Comparativement aux pays, l'Europe, la Tunisie, la Libye. Nous n'avons pas de soucis. Bon, vous dites que les marchés ne sont pas vierges. Certes, nous, tout le marché mondial il est ouvert à tout exportateur. Oui. Comme l'a dit M. Nasser tout à l'heure. Nous, on cherche que. Bon, certes, je remercie les gens de la Banque d'Algérie qui sont en train de faire un travail. Comment trouver une solution, une brèche, pour que nos entreprises, nos exportateurs puissent s'installer. La solution existe, c'est son application qui tarde. Voilà, c'est ça. Donc, comment l'installation va être faite par l'opérateur et les autorisations qui vont être délivrées. Donc, une fois l'autorisation est délivrée pour l'exportateur peut s'installer, ramener sa marchandise, faire le porte-à-porte, avoir beaucoup plus de clientèle. Le marché africain, certes, mais le marché... Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, en tant qu'opérateur et tous les opérateurs que vous côtoyez étant exportateur? Est-ce que c'est le marché africain vous intéresse ou alors il y a plus de risques? Non, le marché africain intéresse tout le monde. Tout dépend des taux de tarifs douaniers. Donc c'est ça la condition, à votre avis. Si les taux, tarifs douaniers sont bas, c'est ça qui va booster l'exportateur à s'installer. Va booster. Et en plus, nous avons le transport. Il faut revoir toute la logistique. Parce que les prix du transport, ils sont excessivement chers.
normalement, ils doivent faire l'alignement, le transport comme un truc à l'international. Par exemple, vous avez un conteneur qui part d'ici jusqu'à d'Alger à Dakar, 2 500 dollars ou euros. Par voie terrestre, 1 million de dinars. Tout est à revoir. Il faudrait que dynamiser un groupage. Bon, vous voulez envoyer des échantillons. Il faudrait que trouver une solution comment votre échantillon arrive sain à destination. Hein? Par exemple, revoir les ports secs pour que ceux qui sont fermés. Un exportateur peut aller à un port sec, envoyer sa marchandise. Il faut améliorer, par exemple, les services du point de CNAN, ou bien Air Algérie, les tarifs qui sont très très chers. Il faut les revoir. Là, nous avons eu une rencontre avec le ministre du Transport. Il nous a promis, malheureusement, il a changé. Celui-là aussi, ça va être la même chose. C'est avec les exportateurs, il est avec pour encourager les exportations. Mais il faudrait prendre des décisions de déduction des prix. Si on ne baisse pas les prix du transport, on ne pourra pas accéder à ces prix-là. Merci, monsieur Ali Benassri. Vraiment votre commentaire. Voilà les conditions. On veut aller vers l'Afrique. Il y a cet espace d'échange, les zones franches. Je voudrais préciser que l'ASDECAF a été ratifié par le président de la République le 21 juin 2021. Oui. Pour la précision. Maintenant, pour le transport, il faut savoir que l'Algérie est un des rares pays qui finance à hauteur de 50% de fret. Ça, c'est très important. Donc, au lieu de demander aux entreprises, CNAN ou Algérie et tout, donc de faire d'abord 97%, c'est des... Le maritime est totalement au moins des étrangers. Tu vois comment on peut négocier avec eux. Donc, vers l'Afrique, c'est la route. Vers l'Afrique pas nécessairement. Le coût maritime est nettement plus inférieur. Il a avancé 2 500 $. Donc, 2 500 $, finalement, on nous rembourse 1 250 et on ne paye que 1 250. Mais quel est le passage vers l'Afrique à travers le maritime? Le maritime, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, je dis vers l'Afrique, quelle est la meilleure voie rapide, moins... La plus rapide, c'est la ligne directe. Donc, c'est Alger-Dakar, au sens qu'il y a transbordement. Mais il faut savoir que nous sommes dépendants des compagnies maritimes qui ont des hubs, l'une à Malte, l'autre à Valence. Donc, le problème, tout ça, quand on a un marché... Aujourd'hui, on exporte par quelle voie vers l'Afrique? Vous avez les deux. Par exemple, sur la Mauritanie, actuellement, c'est le terrestre. Parce qu'il y a beaucoup de privés qui travaillent dans ce sens. Il y a une baisse des coûts. Oui, il y a une question. Le temps, c'est plus rapide par le terrestre. Hein. Absolument. Vous avez donc Alger... Sécurisé et rapide. Non, c'est sécurisé. Vous avez 7 jours donc jusqu'à Nouakchott. Pour vous dire. Hein. Maintenant, quand... Aujourd'hui, c'est la seule voie d'exportation. Non, ce n'est pas la seule voie, je vous le répète. Le maritime aussi, beaucoup exportent par le maritime. C'est le coût relativement bas, c'est 2 500 $. C'est 20 pieds, donc ça fait à peu près 450 000 dinars. C'est pas comparé à la nature du produit. C'est ça qui est en jeu. Si vous exportez de l'eau, du vinaigre ou tout, il est clair que le coût sera excessif parce que la valeur n'est pas... Mais ce que je voudrais parler, on a parlé de zone franche. Moi, personnellement, je suis contre la notion de zone franche. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que exporter de zone franche, on est exclu des préférences tarifaires. Ça, c'est mondial. Si vous importez un produit d'une zone franche de l'étranger, la douane, vous payez plein pot. Vous payez vos droits. Donc, je suis... Ce qui est actuellement en vigueur, c'est ce qu'on appelle les ZES, zones économiques spéciales. Donc il faut au moins enlever les zones franches, parce que les zones franches, ça obéit donc à des conditions. Nous sommes hors territoire douanier, nous sommes hors réglementation des choses. Il faut envisager une zone économique spéciale, quand elle est enclavée, quand elle est aux frontières, ou quand elle est adressée à des lieux, c'est totalement différent. Donc, il faut revoir un peu, on répète, zone franche. Non, il faut quand on est du domaine, il faut savoir ce qui existe par ailleurs et ce qui est appliqué. Maintenant, on a abandonné les zones franches. Mais en tout cas, je suis pour la chaîne de valeur régionale. D'abord, nous commençons
à commercialiser avec la Mauritanie. C'est très important. Nous avons des échanges. Actuellement, il y a une exposition spécifique qui va se dérouler donc le 2 mai. C'est plus de 120 donc, opérateurs qui seront présents. C'est vraiment c'est énorme. Et aussi, pourquoi la chaîne de valeur bilatérale? Je prends le cas de la Tunisie. La Tunisie, nous sommes en phase de construction, donc de montée en intégration au niveau de l'automobile. Il faut savoir que la Tunisie exporte 3 milliards et demi de dollars de faisceaux électriques embarqués et des équipements. Donc, ils ont un savoir-faire, ils ont des équipementiers. Comment, au niveau de cette zone économique spéciale, que ce soit dédiée aux équipements automobiles? Ils ont une. Nous avons actuellement le phosphate qui est exporté brut. Nos amis tunisiens ont, au niveau, donc dans la même veine phosphatière au Gafsa, ils ont donc la transformation phosphatière. Pourquoi on ne travaille pas dans ce sens? Donc, il y a des pistes à creuser, il y a des moyens à mettre en œuvre, mais ce que je voudrais signaler, ce qui est très important, l'Afrique et beaucoup de pays vivent du financement de la BAD, de la BADEA, de la BID, de la Banque mondiale. Nous émergeons au stade zéro. Nous Ne sommes donc. profitant pas de ces investissements, Oui, parce que pourquoi? cette manne financière. Nous ignorons qu'on s'appelle d'offres, il n'y a pas d'institution, d'organisme, signalant donc les sources émettrices. Malgré que nous soyons présents, nous sommes membres de la BID, de tout la FADES, la BADEA et tout, mais nous ignorons qu'on ces appels d'offres. Alors que nous sommes contributeurs, troisième contributeur africain, et nous ne bénéficions de rien. Un. Deux, je pense que dans ce cadre-là, nos compatriotes qui sont au niveau de ces institutions doivent communiquer, et en tout cas mettre un lien entre la diplomatie économique et nous, c'est là où il y a de l'argent. S'il y a aussi de gros montants. Zone franche, pas d'accord, monsieur Ali Benassari, monsieur Mahfoud Kaoubi, pas de zone franche pour monsieur Ali Benassari, ça n'a pas de valeur ajoutée, ni pour le produit national, ni pour l'exportateur. Hein. S'il vous plaît, monsieur. Non, dans l'absolu, la chose la plus importante dans les zones franches, c'est d'avoir cette capacité de capter l'investissement et de créer une base de production qui soit compétitive. Parce que on aborde souvent le commerce ou l'exportation commerciale internationale sous l'angle des régimes tarifaires Voilà, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire, c'est le régime tarifaire qui va booster l'exportation. Pas du tout, pas du tout. On peut avoir donné tous les avantages qu'on veut, mais si on n'est pas compétitive, parce qu'il y a des problèmes d'organisation et de maîtrise, des processus. Mais les marchés africains ne sont pas aussi exigeants que les marchés européens. Non, pas du tout. On n'est pas aussi codifiés. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les logiques de nivellement par le bas qu'il faut mettre en œuvre. On voit notre marché. Pas du tout. Les opérations d'export. On ne fait pas entrer que des produits complètement en conformité avec les législations sanitaires ou de sécurité. Nous sommes vulnérables par rapport à des opérations qui peuvent contourner les exigences, les normes, etc. Mais là, soit on s'inscrit dans cette logique de profiter de niches et de s'organiser en fonction, qui est tout à fait loin de l'organisation qui est préconisée pour avoir des approches qualité en matière d'organisation, en matière de production et en matière d'exportation. C'est toute une organisation et une maîtrise. Maintenant, si on ne met pas ces processus, et on se limite à vouloir organiser la sphère par le haut en termes d'avantages, en termes de logique de pénétration de marchés qui sont beaucoup plus institutionnels au lieu qu'ils soient des logiques privées, là, on tapera à côté. Et depuis des décennies, on ne fait que ça. D'ailleurs, si notre avantage comparatif réside dans un avantage douanier, là, on est à côté de la compétition. Et en Afrique, il faut qu'on sache une chose, il y a plein de groupements et plein d'accords de pays européens avec des pays africains. Bien sûr. Et c'est un des obstacles auxquels seront confrontés même les opérateurs dans cette zone de la ZLECAF. Oui. Parce que l'Europe, la France, la Belgique, investissent. Comme d'autres, investissent. Et ils ont aussi des accords particuliers avec les pays.
Donc, on sera appelé à concurrencer. L'ASLECRAF ne sera pas la panacée. Ça sera un moyen qui aidera, mais qui aidera les entreprises les plus compétitives. Monsieur Mohamed Achir, ensuite oui. Également monsieur Tarek Boumerka. Évidemment, il y a un échange là parce qu'on parle de l'Afrique comme si nous allions seulement déposer une marchandise, mais il y a de la réciprocité. Alors, quel est justement le rapport gagnant-gagnant pour qu'on puisse trouver des places sur les marchés de consommation de ces pays africains? Et y a-t-il une... Vous pensez que l'Algérie a déployé une stratégie ciblée? Est-ce que l'Algérie a déployé une stratégie ciblée pour dire voilà les pays, voilà les marchés, voilà nos échanges avec eux qui sont gagnants-gagnants? Est-ce qu'elle est perceptible, cette stratégie, M. Mohamed Achir? Je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives prises par l'Algérie qui s'inscrivent dans une stratégie de long terme. Donc, maintenant, parler d'une stratégie globalement... Pour garantir des marchés, garantir en échange en échange du principe de gagnant-gagnant. C'est-à-dire, si on veut, le produit veut être installé dans certains pays, il y a peut-être un effort d'investissement qui est consenti par le pays qui souhaite prendre des parts de marché, par exemple. Oui, c'est ça. Je pense que il y a quand même... des initiatives, je dirais, un peu parcellarisées, hein, c'est-à-dire elles ne sont pas conçues dans une vision conçue globalement, mais qui tend vers une conception globale d'une stratégie durable de pénétration des marchés africains. Cela d'abord, on le relève d'un principe fondamental qui est la volonté politique du président de la République d'y aller vers les marchés africains. Donc il y a une volonté politique, affinité politique et... Après, oui, après, donc maintenant sur le terrain, nous avons quand même... d'abord, il y a ces zones franches frontalières aussi qui s'inscrivent dans ce cadre-là. Je rappelle qu'il y a une zone économique... Monsieur Ali Bay Nassari ne veut pas de... n'est pas beaucoup non, je lui rappelle qu'une zone économique spéciale est une zone franche, hein. D'accord. Alors... maintenant, il vous dit non, hein. On aimerait bien absolument, que vous nous expliquiez cette divergence. Non, et zone économique spéciale est une zone franche parce que la zone franche est définie à partir de ce territoire douanier. C'est un territoire douanier qui bénéficie donc d'un régime spécial en termes... Zone franche, nous sommes hors territoire douanier, ce n'est pas le cas d'une zone économique spéciale. Il y a des zones franches, même en France, s'il vous plaît. Non, en France... Je ne parle pas de la France. C'est des zones. Cet exemple de zone franche maintenant, on l'appelle zone économique spéciale, zone franche, territoire. Non, zone de libre-échange. Non, actuellement, zone franche, vous avez la Tunisie. Elle a supprimé toutes les zones franches, notamment celle de Bizerte et de Zarsis, et maintenant il n'y a pas de zone économique spéciale. Les zones franches, vous êtes exclus des préférences tarifaires. C'est clair. Donc, vous bénéficiez d'aucun accord. Dans les zones économiques spéciales, il y a de la préférence tarifaire, monsieur. Il y a de la préférence, justement. Mais l'autre, vous êtes exclu. Non. L'ASLECAF, je l'ai dit, je l'ai confirmé même avec le représentant du secrétaire général de l'ASLECAF, Chaouki, c'est un Tunisien, dans la législation de l'ASLECAF, ils ont introduit les zones franches pour bénéficier de la zone de libre-échange. Parce que la zone franche, ce n'est pas une zone de libre-échange, d'accord? Bien, je continue mon idée. Oui. Alors, par rapport, vous parlez de la stratégie. Donc, je pense que si on prend les secteurs, parce qu'il faut rappeler que l'ASLECAF, quand même, il a construit, il a prévu la construction de quatre chaînes de valeur régionales. Donc, il y a une chaîne de valeur d'intégration interafricaine dans la construction automobile, et il y a une chaîne de valeur dans l'agroalimentaire. Et par exemple, l'Algérie, il a un potentiel énorme dans l'agroalimentaire, donc il peut se positionner par rapport à cette chaîne de valeur agroalimentaire. Il y a aussi dans tout ce qui est industrie énergétique, électrique, etc. Vous savez que il y a plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité et que Sonalgaz a un potentiel énorme
dans la production d'électricité, dans la formation. Nous avons aussi des entreprises. J'ai discuté récemment avec un directeur d'une entreprise à Mostaganem qui a exporté pour 50 millions de dollars de produits électriques. Donc, voyez un peu ce potentiel. Donc voilà, ça dépend des besoins des uns et des autres. Et puis, pour faire rencontrer les domaines d'intérêt. Sonargaz qui a annoncé récemment avec le projet du siècle qui va relier le nord au sud par l'électricité sur 880 km, donc de la haute tension. Et le ministre a parlé aussi d'alimentation du pays du Sahel. Donc c'est des pays qui n'ont pas d'électricité à la majorité donc de la population. Donc cela aussi, parce que quand l'électricité elle est accompagnée par toute une industrie électrique aussi. Donc voilà un peu... Vous donnez une piste de stratégie. Voilà, ils n'ont pas de financement pour acheter ça. Ils n'ont pas de financement. Donc je reviens à ce que je disais. D'où la question de captant, des pays. Voilà, les institutions, donc... finançons ces projets-là, nous devons être proches de ces institutions justifiées. Pour financer la Banque africaine voilà. Donc nous devons, nous, capter les appels d'offres. Ce n'est pas un appel d'offres destiné à l'Algérie, c'est un appel d'offres international et il faut être compétitif. Il n'y a pas en affaire, la politique, vous la mettez de côté. Donc nous avons, mais sur le terrain, on n'a rien. Donc il faut aller. Et je vous ai donné un exemple. Moi-même, j'essaye donc de démarcher les entreprises publiques. Vous avez un groupe comme AGM, 29 filiales, qui sont dans tous les domaines. Nous avons les machinismes agricoles, des partenariats avec Marseille Ferguson. Nous avons des engins de manutention. Nous avons des entreprises comme celle de Azazga, hein, électro-industrie, qui font des groupes électrogènes. Oui. Nous avons des poids lourds. Oui. Et comment constituer? Moi, j'ai proposé donc un consortium par un chef de file. Le chef de file, c'est le chef du groupe. Qu'on aille, qu'on monte, qu'on déploie notre potentiel industriel. Si vous vous contentez d'exporter des pâtes ou de je ne sais quoi. Donc, il faut organiser. Il y a des gros marchés. Moi, je vous dis, j'accompagne une entreprise qui a un marché de 100 millions de dollars en Mauritanie. Et ça, il faut le capter. Donc, et vous êtes en confiance. Sonargaz a déjà exporté pour 200 millions de dollars vers l'Afrique. Vers l'Afrique, Sonargaz. Il y a une entreprise privée de Mostaganem qui a exporté pour 50 oui, millions de dollars. Mais moi. C'est pas rien. Oui, je ne dis pas que c'est rien. Mais je dis. La stratégie. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Je connais l'entreprise dont vous parlez. Voilà. Mais je vous dis, construisons une stratégie offensive vers ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, connaissant les besoins, connaissant, investissant donc dans le programme de l'Union africaine, qu'on soit présent au niveau des banques, qu'on prenne des marchés. C'est ce qu'il faut. Moi, je suis actuellement avec une entreprise que j'accompagne pour un marché de 100 millions de dollars. Nous avons toutes les contraintes du monde. Monsieur Mahfoud Kaoubi, vous allez faire la modération. Non, pas la modération. Il y a des logiques. Ce que Monsieur Nassali est en train de décrire, c'est les problèmes vécus sur le terrain et qui font perdre. Si on ne les identifie pas, on ne donc, peut pas bien avancer. Identifier, organiser toute cette chaîne, professionnaliser et avoir et étaler ça dans la durée. Oui. Ça, c'est les éléments, les clés d'une pénétration du marché africain en connaissance de cause, basé sur des arguments qui sont de la compétitivité. Et dire, parce qu'il y a des goulots d'étranglement, bénéficier des financements, avoir des possibilités de capter ces financements et d'organiser. Ça, c'est du lobbying qui doit se faire de manière très professionnelle. Oui, oui. Pas donc il ne s'agit pas, je vous interromps, politique. Mais je vous laisse terminer. Oui. Il ne s'agit pas, monsieur Tariq Belmourka, monsieur Mohamed Achir, monsieur Ali Baynassari, monsieur Mahfoud Kaoubi, d'accord, il y a des showrooms, il y a donc une logistique de routière avec l'appui, l'accompagnement financier, etc. Il y a des banques qui s'installent, mais ce n'est pas toute la solution. Ben oui. Ce que décrit monsieur Achir n'est pas fou. Mais ça, c'est les lignes directrices. Il y a un travail d'un en positionnement. Amont. Il y a le bas, les logiques par le bas, organiser, professionnaliser, mettre en cohérence tous ces éléments qui constituent la chaîne de l'opération, de la production et de l'exportation. Sinon, ça sera des opérations éphémères,
épisodique, conjoncturel, et puis hop, parce que le problème, ce n'est pas le chiffre 50, c'est de dire que j'ai fait 50 opérations d'importation, d'exportation en une année. La durabilité. La durabilité. Et c'est comme ça qu'on se muscle, c'est comme ça la permanence, la régularité, vous dites l'organisation. Ce qui doit être. Tout à fait. Et là, c'est ces pistes-là que monsieur Mohamed Achir, monsieur Tarek Boulmerka, qui a touché du doigt les insuffisances, l'installation, la représentation de l'opérateur économique, c'est des opérations, des mesures ou peut-être mesurettes. Mais vous estimez, monsieur Ali Ben Nasri, que la stratégie dont on parle, c'est faire du lobbying, c'est aller capter les appels d'offres. Bien sûr. Ça doit figurer dans une stratégie. Bien sûr. Je prends le cas de choisir le marché. Je prends le cas de la Libye. Les Égyptiens ont évalué à 100 milliards de dollars leur business pour la reconstruction du parti de la Libye. Ça pour vous dire. Maintenant, nous, je vous dis, mobilisons d'abord les groupes publics qui sont importants. Mobilisons-les. Allons déployer notre force. Il ne s'agit pas d'aller dans la rue. Allez, déployons-les. Nous avons des entreprises qui sont très, très importantes. Mm-hmm. Je citerai le cas de Cosidère, par exemple, oui. qui a une expertise, qui est connue, reconnue. Qui devrait être présente. Oui, mais comment? Mais comment? Comment mettre le pied en investissant, par exemple, dans ces marchés? Oui. C'est-à-dire investir, vendre du service et installer des entreprises. Quel est le chef de file capable de mettre en cohérence tous ces acteurs-là pour un objectif? Qui est-il? Et j'avais dit, le groupe public, c'est déjà un consortium. Mm. Et celui qui a un marché peut drainer tous les corps de métier avec lui. Et c'est ça, il faut, je vous dis. Mais est-ce que ça se passe comme ça ou actuellement ou... Yeah, non, il n'y a pas de... D'abord, les entreprises publiques rechignent à aller franchement vers l'exportation pour différentes raisons. Il faut savoir aussi que nous avons des contraintes. C'est pourquoi moi, je compte beaucoup sur le conseil. Mais ce qui nous manque, c'est le temps. Toutes les contraintes au niveau de l'exportation sont ciblées, identifiées et transmises à qui de droit. Monsieur Mohamed Achir, qu'est-ce que vous pensez de la réflexion, en tout cas de la piste de solution développée aussi bien par monsieur Ali Ben Nasri et monsieur Mahmoud Kaoubi en amont? Oui, maintenant, il est nécessaire d'élaborer une politique du commerce extérieur algérien, pas seulement pour l'Afrique, mais pour tous les marchés, que ce soit européens, asiatiques ou autres. Donc une politique du commerce extérieur est une politique qui devrait être planifiée à long terme avec des objectifs à court et moyen terme. Et puis, moi je suis pour un ciblage des champions nationaux pour pénétrer les marchés à l'international, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mais c'est un travail qui est fait par les instances, c'est-à-dire, nous avons le ministère du commerce, nous avons l'industrie, nous avons Algex. Ces champions existent. Nous avons 10 entreprises qui exportent pour 82% des exportations algériennes. 10, il n'y en a pas 36. Vous avez 3 dans les fertilisants, vous avez 5 ou 6 dans les ciments, vous avez 2 dans les rangs en béton. Oui, vous êtes en train de corroborer ce que je viens de dire. Il y a des champions, il faut miser sur ça parce que vous savez que quand le marché international est très concurrentiel, donc il faut avoir des entreprises d'une taille critique d'abord. Il faut une logistique, il faut un savoir-faire, il faut une maîtrise, une compétitivité, il faut des alliances aussi. Hein. Parfois, il faudrait des alliances internationales. Il faut, si je prends Sonalgaz avec General Electric américain, ça lui fait une force pour pénétrer les marchés internationaux, mais pour avoir un plan de charge en Afrique en termes d'électrification, par exemple. Ça, donc, c'est un futur. Hein. Ça, c'est Inch'Allah. Voilà, merci. Donc c'est beaucoup plus des vœux que la réalité, elle est tout autre. Moi, je vous dis une chose. Il faut nourrir l'espoir, M. Ben Nasri. L'espoir, justement, l'espoir, c'est la réalité. L'espoir, il ne faut pas se voiler la face. Je suis rationaliste, donc je suis réaliste. À une envergure, à des moyens, une expertise, vous avez dit vous-même 200 millions de dollars. Donc, faire des partenariats, parce que quand on évalue le marché africain, vous savez que toute l'Afrique ne pèse que 2 à 3% du commerce international. Donc, d'où un peu
Donc, le oui, l'Afrique, toute l'Afrique. L'Afrique, l'échange interafricain, vous dites. Non, la part de l'Afrique dans le commerce mondial international, c'est 3%. Mais donc, c'est ce que je dis. Je dis une chose. Je prends le cas du Sénégal. Le Sénégal importe 1 milliard de dollars. On représente combien? Oui. 10 millions, oui. 5 millions? Oui. C'est sur le raisonnement qu'il faut avoir. Si maintenant on croit les gros agrégats, vous dites il faut être optimiste. Quand vous dites vous ramenez au monde, vous n'êtes pas optimiste. Je regrette, mais moi je dis une chose. Travaillons pays par pays. Là où nous avons des banques, ça veut dire quoi? Oui. Nous avons une garantie de transfert. Nous avons une transparence. Mais vous répétez ça depuis des années, M. Ali Benassi. Oui, mais est-ce que vous êtes le seul à le dire? Dernier mot. Mais ce que je dis, l'espoir repose sur le Haut Conseil. Vous êtes d'accord avec vraiment dernier mot? J'adhère. Les logiques par le bas, c'est ça qui manque. L'approche, il faut qu'elle parte de la réalité. À partir de là, on peut se positionner. Et depuis le temps, on aurait pu avoir beaucoup plus de parts de marché. Que ce qui, le conseil consultatif à l'exportation. C'est du support, voilà, c'est des solutions. On a beaucoup d'espoir là-dessus. Voilà. Bah, alors maintenant, des actions auprès de... Voilà, l'ASLEFA, il ne faut pas oublier qu'elle conditionne le bénéfice des avantages par un taux d'intégration minimum de 30%. Donc c'est pour cela qu'il faut penser à industrialiser, à produire, à faire dans l'intégration chez nous, pour faire de l'intégration ailleurs. Merci beaucoup, monsieur Ali Benassri, monsieur Mahfoud Kaoubi, monsieur Mohamed Achir, monsieur Tariq Boulmarka. Merci beaucoup pour ce débat passionnant. Et mesdames, messieurs, merci Aïcha Hammer et toute l'équipe. Merci.